tu posséderas les portes de tes ennemis. Amen, amen, amen. Il faut que certaines personnes autour de toi, avec leur sorcellerie, sachent qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. They must know that they have a barrier. Qui est d'accord avec moi? Il faut qu'ils le sachent. They have to know that. Qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. They cannot reach a Même point. Dieu Even God. A fixé une limite à Satan quand il s'agissait de Job. Parce que Dieu a autorité sur Satan. Because God has authority over Satan. Et nous avons autorité sur les démons. And we have authority over demons. Nous avons autorité sur les sorciers. We have authorities over the witch. Nous leur fixons une limite à ne pas dépasser. We set them a limit to not. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen bien. Je prie ce soir que ceux qui ont décidé sur ta mort, tu vas assister à leurs obsèques. J'ai dit, tu vas assister à leurs obsèques. Je suis en train de dire, tu vas assister à leurs obsèques. Peut-être même que c'est toi qui vas acheter le cercueil. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la Fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'Église Parole de Foi à Kinshasa, nous exhorte à posséder les portes de nos ennemis car nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Comment posséder les portes de ses ennemis? Les portes sont des entrées spirituelles des lieux. Les portes sont des lieux de décision et de pouvoir. Les lieux où les gens prennent des décisions qui affectent les vies. Ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Celui qui prend les portes peut contrôler la vie et les destinées des autres. Les joies des gens sont régulées aux portes. C'est aux portes que la reine Vashti a perdu, c'est à cette même porte qu'Esther a pris la couronne. Les gens ont perdu, parce que des décisions ont été prises aux portes. Aman a pris des décrets pour détruire les Juifs aux portes. Il faut beaucoup de force pour vaincre les hommes aux portes. La force d'une ville se voit aux portes. Ésaïe 28 verset 6, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Nous avons laissé pendant longtemps les autres s'asseoir sur les portes, c'est le moment de posséder toutes les portes maintenant. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Posséder les portes de ses ennemis. Prenez avec moi Genèse 22, verset 4, verset 17. Genèse 22, verset 17. C'est l'Éternel qui est en train de parler à Abraham. Je sens la présence de Dieu ce soir. La Bible dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je reprends, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Genèse 24, verset 57 au verset 60. Genèse 24, verset 57 à 60, la Bible dit « Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, écoutez bien la parole, et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Ce que veut dire d'abord cette expression, posséder la porte de ses ennemis. Possessing the door of our enemies, what it means. Posséder la porte de ses ennemis. Possessing the doors of our enemies. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on parlait des guerres, speaking about war, ce n'était pas des guerres avec des missiles, des armes nucléaires, it wasn't with instruments, those wars, ou des armes qu'on pouvait utiliser à longue distance ou à longue portée. Or which you could use long distance. Donc les villes étaient barricadées, so cities were closed up, clôturées par des murailles. Closed up by walls. Et c'est sur les murailles
que les gardes faisaient la ronde. That the guards would turn around. Vous voyez, par exemple, lorsque le roi David dit, Seigneur, comme des militaires qui font la ronde. When King David would say, like, military is doing... Attendent le matin, moi je m'attends à toi. Me, I'm expecting of you. En fait, les murailles qui entouraient les villes so the walls surrounding the cities, étaient des murailles d'une épaisseur de plus d'un mètre. It was very thick walls. Donc ça permettait à ce que les militaires puissent marcher dessus it allowed for the militaries to walk et puissent on it. Observer au loin au cas où la ville serait attaquée. And observe from far in case of any attack comes. La deuxième des choses avec les villes, second things with cities, c'est que chaque ville avait une porte. Each city had a door. Chaque ville avait une porte. Each city had a door. Vous savez, lorsque vous allez à Paris, par exemple, example, when you go to Paris, on va vous parler des portes, portes de Clichy, portes de La doors, Chapelle, porte de Grigny. En fait, quand on parle des portes, when we talk about doors, ça veut dire qu'à l'origine, c'était des villes avec des portes d'entrée. In origin, it was cities with doors. Et généralement, il y avait la grande porte d'entrée. There was the big door of entry. Et il y avait toujours une petite porte derrière. There was always a small door behind. Qui était ce qu'on appelait la porte des marchands. That was what we called the doors of merchants. Et Jérusalem aussi était une ville protégée. Jerusalem was a city that was protected. Et les anciennes cités avant Jérusalem, and old cities before Jerusalem étaient déjà des cités avec des grands portails. There were cities with great portals. Et c'est derrière les portails and it's behind the portals que généralement se réunissaient ce qu'on appelait les sénateurs. That generally they would have senators. Ça veut dire les grands de la ville. Meaning the great people of the city. Les personnes qui avaient l'imperium. The people that had the se réunissaient derrière le portail. Were united behind the portal. La deuxième chose, c'est quoi? Second thing, what is c'est it? Que quand les marchands venaient, when the merchant would arrive, ils ne pouvaient pas entrer par le grand portail des villes, they couldn't go by the big door of the city, parce que simplement, because simply, les dignitaires se réunissaient à côté de là. The dignities were reunited beside. Alors dans ce verset, lorsque l'Éternel dit in this verse, when the Lord is saying, que ta postérité that your posterity possédera les portes de tes ennemis, will possess the doors of your enemies, la première chose que cela nous enseigne, first thing that teaches us, c'est que nous sommes responsables is that we are responsible des opportunités de notre postérité demain. Our opportunity of our quelqu'un m'a compris tomorrow. Donc ce que je suis aujourd'hui, what I am today, ce que je fais aujourd'hui, what I'm doing today, les décisions que je prends, decisions I'm taking, les actes que je pose, acts that I'm doing, soit ce sera la paix de ma progéniture, either it will be the peace of my progeniture, soit ça sera les tourments pour ma progéniture, or it will be the bad thing mais for je my prie ce soir but I pray today, que tu comprennes que même quand tu es jeune, that you may understand even young, demain tu seras vieux. Tomorrow you'll be old. Et les choses que tu prends à la légère, and things you're taking lightly, demain pourront devenir le talon d'Achille de ta famille. Tomorrow it can become something great. Certaines décisions que nous prenons en nous disant je suis libre, many decisions you can say I'm free, deviendront les prisons dans lesquelles se retrouveront les nôtres. Prison on which others will be quand found. Le diable veut court-circuiter la bénédiction d'une famille, when the devil wants to take the blessing of a family, il va s'en prendre aux personnes principales. He will go after the principal people. Dans chaque famille, il existe des personnes clés. In each family, they exist. Dans toutes nos familles, nous n'avons pas tous la même valeur. Our families, we don't have the same value. Même quand on perd des membres de famille, even when we lose members of our family, on ne regrette pas tout le monde de la même façon. We don't always regret people the parce same que way. Il y en a qui sont non seulement génératrices, because mais aussi fédératrices de bénédictions. But also federalist of et il y en a qui sont fédératrices de désordre. Some are federalist of your order. Alors c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, reason why God's telling ta postérité your posterity possédera les portes de ses ennemis. The doors of its enemies. Donc ça veut dire que moi, père, so me, father, Abraham, je dois en finir avec mes ennemis. I must finish up with my enemies. Je dois préparer la voie pour ma descendance. I must prepare the path for my order, et quand Lord, mes enfants vont arriver, and when my children que l'Éternel arrive, leur donne des nouveaux ennemis, may the Lord give them new enemies, mais sur une terre sur laquelle je serai sorti chef. On a land on which I'll be a chief, ça permettra déjà à mes enfants will allow to my children, d'enjamber la vie to be more easy avec in life. Un comment je dirais avec quelque chose de positif. With something of positive. Amen, amen, amen. La deuxième réalité que ça nous enseigne, second reality, c'est que si tes ennemis t'attaquent, is that if your enemies attack you, ça veut dire qu'ils partiront de leur ville. It means they will
go from dirt vers la ville de ton confort. Towards the city of your comfort. Maintenant, ce que Dieu veut dire à Abraham, so what God is telling Abraham, quand tes ennemis as your enemies, auront conçu la pensée de sortir, have the thought of going, ils ne te trouveront pas dans ton camp, they won't find you in your field, mais ils te trouveront déjà à la porte de chez eux, you at the door of their own, parce que tu posséderas les portes de tes ennemis. You shall possess the doors of your enemies. Ça veut aussi dire tu vas les paralyser, you will paralyze them, avant qu'ils n'eussent eu le temps de réagir. Before they will even want to react. Vous savez, le combat spirituel, you know, tel qu'on nous l'a enseigné n'est pas bien fait. Spiritual warfare, as they taught us, on nous a enseigné le combat spirituel, they taught us spiritual warfare, comme étant une force défensive. As a defensive strength. Alors que quand vous lisez la parole de Dieu, perhaps when you read the word, le combat spirituel, spiritual warfare, c'est d'abord une force offensive. It's first an offensive. Ça veut dire strength. Seigneur, je prie. Meaning, Lord, I'm praying. Et pour ceux qui me font la guerre. And for those who et contre ceux qui me feront la guerre demain. And for those that will fight me tomorrow. Donc avant qu'ils ne se lèvent, so before they will, je prie déjà qu'ils soient paralysés. I pray for them to be paralyzed. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous savez, si on en est arrivé à un combat défensif, if we arrived in a defensive war, c'est à cause de Job. It's because of Job. Nous avons tellement lu la Bible qui dit we mon rédempteur est vivant, saying, le dernier il se lèvera. He will rise at the end. Mais Job a dit ça, Job said it, parce qu'il était bien avant de connaître les problèmes. Because he was good before knowing issues. Et ce verset là dans la Bible n'existe and que dans Job. In the Bible exists only with aucun Job. Auteur de la Bible n'a apprécié no ça author in the Bible appreciated it. Donc moi avant que mon rédempteur se lève, so le dernier qu'il se lève d'abord en premier. May he rise first. Donc je n'attendrai pas que l'ennemi se lève pour réagir. Le problème d'une réaction, the issue of the reaction, c'est que tu ne sais pas toujours par où tu as été atteint. Is that you don't always know where you were reached. Voilà pourquoi en latin on dit si vis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare peace, la guerre. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois posséder les portes de tes ennemis à toi. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des bombardements préventifs. Donc, je ne sais pas qui va m'attaquer ni quand. I don't know who's gonna reach me or when. Mais j'attaque déjà autour de but moi pour I'm les empêcher de m'atteindre. On my surroundings to stop them to reach me. Vous voyez, quand nous on était petits, on disait, when avant we young, que tu lèves la tête, donc dès que tu fais ça, pardon, I will knock you. Amen. Donc ça dit, on t'attend déjà. So we're already expecting you. On t'attend. Toi, tout ce qu'on attend, lève seulement la tête et puis to raise your head, tu auras ça. You'll be knocked. Et le combat spirituel and the spiritual war a la même réalité. Has the same reality. Je prie ce soir I pray tonight que Dieu place nos mains sur les têtes may God de nos ennemis. Place our hands on the head of our enemies. Non, tu ne m'as pas compris. Que Dieu place nos mains may God place our hands sur les têtes de nos ennemis. On the head of our enemies. Qu'ils soient vaincus au nom may de Jésus. Be conquered in Jesus' name. Même ceux qui ont la pensée de te nuire. Even those that have the thought to wrong you, qu'ils soient vaincus au nom de may Jésus. They be conquered in Jesus' name. Mais maintenant, une chose est vraie. One thing is true. Et la question principale. And the principal question is, avant de se lancer dans le combat spirituel, we're going to the spiritual warfare, nous devons savoir we must know qui est notre ennemi. Who is our enemy? Qui est notre ennemi? Who's our enemy? Tout le monde ne peut pas être nos ennemis. Everyone can't be our enemy. Tout le monde ne peut pas être composé de nos ennemis. Not everyone can be composed of our enemies. Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Qui est ton ennemi? Who's your enemy? Le premier ennemi par excellence. The first enemy of excellence. Nous le trouvons dans Apocalypse 12. We find in Revelation 12. C'est le diable. It's the devil. La Bible dit de lui qu'il est l'ennemi des saints. The Bible says he's the enemy of the holy ones. Une autre version l'appelle l'accusateur des saints. Another version, he calls him the accuser. Donc notre premier ennemi. Our first enemy. C'est d'abord le diable. Is first the devil. Le diable se battra mordicus. The devil will fight mightily. Pour t'empêcher d'évoluer. To stop you to parce que si forward, tu évolues, because if you move forward, même ta louange sera appétissante. Even your praise will be tasty. Donnez-moi un amen. Amen. Vous savez, quand vous prenez les chantres qui mangent bien, when you take people they eat well, qui sont bien dans la vie, they're good in life, vous comparez leurs chansons avec les chantres qui mangent mal. Vous allez voir que good, quand les uns pleurent, you see that when they vous sentez la souffrance. You sense suffering. Mais quand les autres pleurent, but when the other ones cry, vous sentez l'amour. You sense love. C'est pourquoi moi. Reason why I. Tiers monde, c'est pas petit. Hein. Voyez quelque chose. Oh Dieu, Dieu. You see someone en fait, crying. Il pleure pas parce qu'il sent in la fact, présence de Dieu. He's not crying because of the God
God's presence. Mais c'est parce que la chanson l'amène à se remémorer ses propres problèmes. Reminds him of his issues. Amen, amen, amen. Alors quand le diable sait, when the devil knows, et voit, and sees, que tes futures larmes, that your future tears, seront des larmes de joie, will be tears of joy, il va se battre pour te conserver. He will fight to reach you. Bien aimé, une croyance est erronée, mais s'est introduite parmi nous. A belief is, c'est de croire que le diable, a wrong belief is, à la croix, the devil, at the cross, on l'a lié. They tied him. C'est pas écrit. It's not written. Donne-moi un amen. Nous combattons un ennemi libre. We fight a free enemy. Sa condamnation est connue. His condemnation is known. Sa condamnation est prononcée. His condemnation be pronounced. Mais n'est pas encore exécutée. But it's not executed yet. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire dans la logique spirituelle. So in the spiritual logic, si tu donnes au diable des coups, if you hit the devil, il a aussi le droit de te remettre. He also has the right to put it back to you. Comme disait un haïtien, il a aussi le droit de te rembourser. He has the right to reimburse you. Est-ce que vous comprenez? Et c'est normal. And it's normal. C'est pourquoi, bien aimé, non, le with diable qui est notre ennemi numéro un, the devil, which your first enemy, il doit être traité avec sérieux. He must be treated with seriousness. Donc on doit le combattre avec solennité. We must fight him with solemnity. J'ai entendu des pasteurs me dire, I heard pastor saying, le fait de toujours initier le combat spirituel contre le diable, tu feras qu'il te remarque. Of starting, le diable te remarque déjà parce que tu as été créé à l'image de Dieu. You were created in the image of God. Deuxièmement, le diable te remarque déjà parce que tu as Jésus dans ta vie. Conséquent, tu deviens pour lui une cible. Et moi, je prie ce soir. Autant il fait de nous des cibles, nous ferons aussi de lui des cibles. Tu m'as donné un amen. Le deuxième gros ennemi des enfants de Dieu, c'est l'ancienne nature. It's the old nature. Je ne vais pas trop rester là puisqu'on en a tellement parlé les mercredis en ligne. C'est la vieille nature. It's the old nature. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la vieille nature? What do we call the old nature? Qu'est-ce qu'on appelle le vieil homme? Or the old man. Aujourd'hui, je discutais avec une de mes filles depuis Lubumbashi. Elle m'écrit, elle me dit, papa, j'ai dit, votre vieil homme est enterré. J'ai dit, non, il n'est pas enterré. Il ne sera enterré que quand mon corps aura été enterré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En fait, le vieil homme, the old man, in fact, c'est la nature que nous avions avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Before encountering Jesus. Maintenant, lorsque je donne ma vie à Jésus, so now when I give my life to Jesus, on dit de moi que je suis né de nouveau. They say that I'm born again. Celui qui est né de nouveau, the one that is born again, ce n'est pas ma chair, it's not my flesh, mais c'est mon esprit. But it's my spirit. Alors, la nouvelle naissance, so the new birth, est un acte spirituel, it's a spiritual act, au travers duquel j'acquiers l'identité de Christ en moi. Deuxième chose, en tant que nouvel homme, mon esprit, qui seul est en contact avec l'Esprit de Dieu, commence à donner des injonctions à ma chair et à mon âme. God's guiding my flesh and my soul. Mais maintenant, ce que j'étais hier, so what I was yesterday, n'est pas mort. It's not dead. No. Le vieil homme existe. The old man exists. Tant que je vis, as long as I live, ce que j'étais hier, what I was yesterday, existera toujours. Shall always exist. Maintenant, il me revient à moi, so it's up to me now, de décider, to decide, à qui je donne la direction de ma vie. To whom I'm giving the direction of my life. C'est là qu'il y a des chrétiens, that's when there's Christians, qu'on appelle charnels, that we call carnal, parce qu'ils sont nés de nouveau, because they're new, mais born, leur vieil homme, but their old man, domine encore sur eux. Has the dominion over them. Ils sont encore dans les passions de leur chair. They're still in the fleshly passion. Et de l'autre côté, and the other side, il y a ce qu'on appelle le nouvel homme. This is what we call the new lui, man. Il est créé à l'image de him, Christ. He's created according to the image of Christ. Il est recréé. He's recreated. Est-ce qu'on me comprend? Le vieil homme est un ennemi. The old man was the enemy. Parce qu'il connaît nos défauts. Because he knows our flaws. Il connaît nos réflexes. He knows our reflexes. En fait, il est l'autre nous-mêmes. In fact, he's
our other self. Et si on n'arrive pas à le vaincre, if we don't arrive to conquer, si le vieil homme reprend le dessus, if the old man comes back again, nous aurons du mal à avoir une vie chrétienne équilibrée. A hard time to have a balanced Christian right here. Troisième chose qu'il faut savoir, that we must know, par rapport aux ennemis, according to the enemies, et c'est très important que je le dise, very important for me to say, quand vous lisez la Bible, when you read the Bible, il existe plusieurs types d'ennemis. It exists many types of enemies. Il existe plusieurs types d'ennemis. Many types of enemies. Je répète, il existe plusieurs types d'ennemis. There's many types of enemies. Dans toute la Bible. In the whole Bible. Il y a des ennemis physiques. Physical enemies. Et il y a des ennemis spirituels. And spiritual enemies. Je dirais, il y a des ennemis physiques et des ennemis esprits. There's physical and spiritual. Et puis il y a des ennemis qui sont esprits et physiques and en eux-mêmes. Enemies that are physical and spirit in themselves. Aux ennemis physiques. To the physical enemies. La Bible nous demande. The Bible asks us. De les aimer. To love them. Et de prier pour eux. And to pray for them. Voyez ce genre de personnes qui ne t'aiment pas. See this type of people that they don't love you. À l'occasion de rien. Just like that. La Bible te demande, the Bible is asking you, de continuer à l'aimer. Continue to love them. Voyez ce genre de personnes qui dit du mal de toi. See these people saying wrong things about you. Par jalousie. By jealousy. Par envie ou convoitise. By envy. La Bible t'exige de l'aimer. The Bible is asking you to love them. Qui m'a donné un amen? Amen. 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 Qui m'a donné un amen? Amen. On va prendre un texte de la parole de Dieu. Let's read a word. Qui nous le dit? That says it. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Luc 6, verset 27 et le verset 35. Luc 6, verset 27 et le verset 35. La Bible dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, c'est le maître qui parle, Jésus. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Amen. Aimez vos ennemis et faites du bien à qui? À ceux qui vous haïssent. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Ici, nos ennemis, here are enemies, qu'on demande d'aimer, that we ask to love them. Les seuls qu'on demande d'aimer, the only one that they ask to love c'est them. Ceux qui nous haïssent, it's those that hate us. Ceux qui nous jalousent, those that are jealous of us. Vous savez, ce genre de personnes qui ne t'aiment pas pour rien. These people that don't like you just for nothing. Donc si on l'isole, so if they isolate, on lui pose la question, pourquoi tu ne l'aimes pas? Ask them, why don't you elle est incapable them? De te dire pourquoi elle ne t'aime pas. To say why they don't love him. Pour ce genre d'ennemis, for this type of enemies, la Bible nous demande the de les Bible aimer. Asks us to love them. Et la Bible est sans appel. And the Bible is clear. C'est à ce genre d'ennemis it's this type of enemies que nous faisons du bien. That we do good. Et le bien que nous leur faisons and the good which we do on them devient comme du charbon ardent sur leur tête. It becomes like a charcoal on their j'aimerais head. Vous dire des choses très importantes à let ce niveau. Say something very essential. Tu commenceras à perdre le combat spirituel. You will start losing the spiritual warfare. Dès le moment où the moment which tu commences à haïr. You start to hate. Dieu ne peut pas devenir l'allié d'un cœur haineux. God cannot become the ally of parce que la haine n'est pas à l'image de Dieu. Because hatred is not the image la chose of God. Qui est à l'image de Dieu, the thing that's in the image of c'est God, l'amour. It's love. La deuxième catégorie d'ennemis qu'on aime, second category of enemies that we love, ce sont les ennemis religieux. It's the religious enemies. En fait, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, at the time of Jesus, les pharisiens, les zélotes et les sadducéens, and all of them, ils se prenaient pour la classe des saints. They thought they were in the class of the holy ones. Alors, par conséquent, and now, ils appelaient les autres des barbares. They were calling the others the barbares. Ils considéraient les autres juifs et les grecs comme étant they considered des barbares. The other ones as barbares. Comme étant des personnes qui ne sont pas élues par Dieu. As people that were not elected by God. Et ils avaient l'habitude de les considérer comme des rebuts de la société. They have the habit to push them from the society. Alors le Seigneur Jésus veut leur faire comprendre, so Jesus wants to make them understand, que vous pharisiens, that you pharisees, si vous me suivez, if you follow me, et que vous devenez mes disciples, and you become my disciples, vous devez pouvoir aimer ces gens-là, you must be able to love them, qui n'ont pas la même religion they que don't vous, have the same religion as you, qui n'ont pas la même croyance que vous, that don't have the same
Et le Seigneur Jésus se montre même virulent. Il va jusqu'à leur dire, mais vous qui prétendez être meilleurs, pourtant vous êtes des vrais hypocrites. Vous êtes des tombeaux blanchis. Amen. Donc le fait que quelqu'un refuse de suivre Jésus, c'est un ennemi religieux. It's a religious enemy. Mais ce n'est pas un ennemi spirituel. But not a spiritual enemy. Je dois continuer à l'aimer. I must continue to love them. C'est pourquoi, bien aimé, quand on veut gagner une reason âme, why, when we want to win a soul, on ne met jamais la religion devant. We never put religion before. Parce que Jésus n'a pas amené une religion. Because Jesus didn't bring a religion. Et s'il en avait amené une, and if he brought la one, religion de Christ s'appelle l'amour. The religion of Christ is called love. Ça veut dire, tu possèderas les portes de tes ennemis. Notre texte de base, Genèse 22, verset 17. La Bible dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Le deuxième texte, Exode 23, verset 20 à 24. Et ensuite le verset 27. Exode 23, verset 20 à 24. Et puis le verset 27, je lis. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Telle est ma prière au nom de Jésus. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Troisième texte, Genèse 28, verset 4. La Bible dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, ce pays qu'il a donné à Abraham. Amen. Sept natures de tes ennemis. Seven natures of your enemies. La première nature, la nature humaine de tes ennemis. It's the human nature of your enemies. Ça veut dire des personnes qui peuvent t'attaquer, so people that can attack you, par des empoisonnements, by poisoning, mais aussi par la réputation. Pendant que j'étais en train de mettre mes notes à jour, cela est revenu en moi. Et je me permets d'ouvrir cette très grande parenthèse. Vous savez, certains combats que vous rencontrez dans la vie se manifestent par le fait que les gens s'en prennent facilement à votre réputation. Savez-vous que les gens qui s'en prennent à votre réputation, au moment où ils le font, même lorsqu'ils sont des chrétiens, ils accomplissent l'œuvre du diable. Qui m'a donné un amen? Le prouver. Amen. Je répète, lorsque les gens s'en prennent facilement à votre réputation, même lorsque ce sont des saints, ils accomplissent les œuvres du diable. Si vous suivez l'enseignement que j'ai donné à Kinshasa en décembre sur les tribunaux sataniques et leurs accusations, vous allez comprendre que quand le diable veut t'empêcher d'aller de l'avant, il va envoyer des gens sans le savoir, mais qui vont travailler à détruire ta réputation. Des personnes qui vont dire de toi ce que tu n'es pas et ce que tu n'as jamais fait. Vous savez, des fois, nous nous disons juste c'est un feu de paille. At times we
Frère, moi qui vous parle, j'ai vu comment la réputation peut fermer les portes à quelqu'un. C'est pourquoi lorsqu'une personne touche facilement à votre réputation, je vous autorise à le faire. Priez contre cette personne. Vous comprenez, pasteur Daddy? Donc il y a des gens comme ça qui n'ont pas compris qu'il existe une certaine notoriété dans la vie. Il existe un certain niveau d'excellence dans la vie qu'on ne peut atteindre que grâce à la réputation. C'est pourquoi la Bible dit une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Amen. Une bonne réputation. Celui qui touche ta réputation est en train de s'en prendre à ta destinée. Moi, j'ai vu des gens ne pas se marier seulement parce qu'on a dit qu'ils étaient aventuriers. C'est pourquoi mes soeurs, mes frères, l'esprit me pousse à vous le dire. Là où vous savez que votre réputation a été entachée des choses fausses, prenez le temps dans la prière. Demandez à Dieu de toucher les oreilles de ceux qui ont entendu parler et d'effacer ce souvenir-là de leur cœur. Que Dieu mette le doute dans leur vie afin qu'ils réalisent que vous n'êtes pour rien. Quelqu'un m'a compris? Vous savez, nous, généralement, les Noirs, surtout les Africains, moi, j'y inclus toujours les Dominicains, les Haïtiens, parce qu'entre nous, je ne vois pas la différence. Amen. Nous avons une tendance facile à salir les autres. Et nous fonctionnons à la rumeur. Ce qui veut dire que quand tu ne travailles pas vite pour détruire la rumeur, la rumeur deviendra vraie. Et on va te la coller à la peau. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que le diable, s'il essaye d'exploiter cette porte, que ça se ferme. Quiconque t'accusera faussement, que les portes lui soient fermées. Quiconque t'accuse faussement, que personne ne croit à ce qu'il dira. Oh, donne-moi un amen. Quiconque s'en prend à ta réputation, que personne ne lui accorde crédit. Qui m'a donné un amen? Frère, il existe des destructeurs d'opportunités. Quelqu'un qui peut te prêter de l'argent, tu ne lui as rien demandé. Le jour où tu viens rembourser, il refuse. Mais il va dire partout, il m'a escroqué. Comme ça, dans sa tête, il a un fond de vérité qui est, il me doit. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Frère, j'insiste. Tu dois posséder les portes de tes ennemis. Partout où ils passent pour t'atteindre, tu dois contrôler leur passage. Il y a un passage dans la Bible qui t'autorise à prier contre ces gens-là. Prends avec moi le psaume 141. Toujours bien de donner des passages. Psaume 141. Ah, les témoignages. Verset 5, la Bible dit que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie. C'est qui me frappe? C'est de l'huile ou sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Donc je n'irai pas les chercher pour faire palabre. Mais écoutez la réponse. Mais de nouveau, ma prière fera quoi? S'élèvera contre leur méchanceté. Acclamons le Seigneur. Tu as le droit de prier contre la méchanceté des personnes qui t'atteignent. Est-ce que tu m'as compris? Frère, je sais ce qu'une réputation représente. Je suis dans une profession, moi, qui ne tient que sur ça. Je sais ce que ça représente.
Ma femme est là, elle connaît l'histoire. Il y a eu, comment on appelait ça? Le blocus là, comment on appelle ça? Confinement. There was confinement. J'ai dit à ma femme, I told my wife, je rentre à Kinshasa. I'm going to Kinshasa. Je sens que le Seigneur me veut là-bas pendant cette période. I feel the Lord wants me there. Je ne sais pas ce qui va se passer. I don't know what will happen. Mais je sens que le monde sera bloqué. But I know that the world's gonna be blocked. J'arrive à Bruxelles. I arrive in Brussels. Je prêche. I'm preaching. Et puis paf, on arrête l'événement en disant, c'est le gouvernement qui a dit. Je me retrouve à Paris, à l'aéroport, tout est fermé. Je prends l'avion pour Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, je prêche un jour, trois jours après confinement. Première chose, c'est que toutes les personnes avec qui on était dans la cabine où j'étais dans l'avion, si on était à 16, sans exagérer, au moins 12 sont mortes. Parce que la plupart étaient même dans le cabinet du chef de l'État. C'est comme ça que je pouvais les identifier. Au moins 12 sont décédés. Arrivé à l'aéroport de Paris, une de mes filles de Paris m'a suivi à l'aéroport juste pour me remettre des cache-nez. Elle m'a dit, papa, garde ça. Donc je suis monté dans l'avion sans jamais enlever. J'ai eu la vie sauve. J'arrive à Kinshasa, beaucoup de problèmes. On commence à raconter. Le prophète s'est marié à une autre femme. Il a épousé une belle métisse. Et on est allé trouver une petite métisse de l'église qui avait 18 ans. Donc j'ai au-delà du double de son âge. Ce que vous imaginez. Amen. Et vous avez des gens qui vous jurent. Je connais. Une de mes belles soeurs m'appelle et dit, hey, tu nous as jamais dit que maman Nana c'était ton second mariage. J'ai dit, mais avant j'étais marié à qui? Oh, tu avais une autre femme. J'ai dit, je connais la femme que j'avais. C'est qui? J'ai dit, c'était ta maman. Comme ça, ça rend l'histoire vraie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez, des fois vous en riez. Mais vous ne savez jamais. But you never know. C'est qu'une réputation foutue. What's a reputation that's messed up? Peut avoir comme conséquence. Can have as consequence. Parce qu'il y a des conséquences que nous rencontrons. There are consequences which we encounter. Mais il y a aussi des conséquences. But there's also consequences. Dont on connaîtra l'influence que dans 10, dans 20 ans. We will only know the tu vas prendre quelqu'un qui te dira, Dieu m'avait demandé de te donner un million de dollars. Mais j'avais appris au même moment que tu es un farceur. Alors je suis allé donner ça aux orphelins. So I give it to the orphans. Alors que moi-même je suis aussi orphelin. Perhaps myself, I'm an orphan. En plus des pères et des mères. Father and mother. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je prie ce soir. The reason why I pray today. Que tous ceux qui salissent votre réputation, everyone that is doting your profession, que l'Éternel tourne leur langage en dérision. Tous ceux qui te condamnent là où Dieu t'a pardonné, que le Seigneur puisse les convaincre qu'ils ont tort. Je disais que l'Éternel puisse les convaincre qu'ils ont tort. Comment toi tu veux m'incriminer? J'ai avorté, j'étais païenne. Mais toi tu veux me rappeler ça aujourd'hui. Dieu ne nous sauve pas pour changer notre passé. Dieu ne nous sauve pour changer notre présent et notre futur. Sois béni. Amen, amen. Alors, la deuxième nature de tes ennemis, c'est ce que j'ai appelé les esprits territoriaux. Un jour, on va revenir encore là-dessus. La troisième nature de tes ennemis, ce sont les trafiquants spirituels. Et c'est là que je m'étais arrêté hier soir. La quatrième nature, et je commence l'enseignement de ce soir, ce sont les personnes qui collaborent volontairement avec des esprits contre toi. Des personnes qui collaborent avec des esprits contre toi. Ces personnes-là, généralement, on les appelle des sorciers, des occultistes. Amen. Des sorciers, des occultistes. Et dans cette catégorie, on retrouve aussi des trafiquants d'organes et d'intelligence. Organ and intelligence traffickers.
Dans le monde spirituel, il existe des personnes qui ont la capacité de trafiquer tes organes. Un jour, une femme m'a dit, c'était la semaine passée. Elle m'a dit, depuis que j'ai fait un rêve, comme quoi on était en train de vendre mon bras. Elle dit, depuis lors, j'ai l'impression d'être paralysée. J'ai dit, ma soeur, tu vois ce que tu appelles l'impression? C'est déjà un acte qui a été fait. Il ne reste que le physique pour suivre. On doit prier pour toi. En fait, il existe des personnes dans le monde spirituel, et la Bible les appelle dans Apocalypse 18 des trafiquants d'âme et de corps. Des personnes qui peuvent vendre une portion de ton être. Des personnes qui peuvent vendre ton dos. Qui peuvent vendre ta fécondité. Vous savez, il existe aussi des personnes qui peuvent vendre la beauté d'une femme. Dès qu'ils te touchent, tu t'avilis. Et tu vieillis. Non, s'avilir, tu deviens vilaine. Et puis tu vieillis. And then you get old. Parce que ses mains ont été consacrées comme étant des mains diaboliques. Like a diabolic hand. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça va, un jour à l'église à Kinshasa, je rencontre, j'entre à l'église et puis je m'arrête. Je regarde sur une rangée. I looked in a range. Je me rappelle d'une fille qui venait toujours, elle était très jolie. Mais quand tu la regardes, her, tu sens qu'elle a perdu un éclat. J'ai dit, ma soeur, vois-moi au bureau. J'ai dit, ma soeur, tu es sortie avec un homme. Cet homme-là t'a pris quelque chose. C'est qui? Elle me dira clairement. Elle me dit, tu as eu affaire à un trafiquant. Et il t'a trafiqué. Et il y a des gens comme ça qui fonctionne avec le monde des ténèbres pour trafiquer. Les sorciers sont des personnes qui ont un contrat actif. Ils ont une alliance avec le diable. Et leur but, c'est lequel? C'est de travailler soit à ensorceler. Ensorceler veut dire soit donner la sorcellerie ou encore contrôler totalement la vie de la personne. Et la deuxième chose que les sorciers font, c'est l'envoûtement. Une personne envoûtée est une personne qui n'est pas totalement contrôlée. Mais c'est une personne dont une portion de sa vie est contrôlée. Alors qu'une personne ensorcelée est totalement contrôlée. Vous comprenez la différence? Amen. Je répète. Une personne ensorcelée est totalement contrôlée par un esprit qu'on a jeté sur lui. Et cet esprit-là, on l'appelle un esprit humain. Ça veut dire que c'est un démon. Mais qui travaille sur base d'une volonté humaine. D'une personne avec qui il a un contrat. Une personne envoûtée est une personne dont une portion de sa vie est contrôlée. Mais pas toute sa personnalité. Parce qu'avec l'envoûtement, je peux le dire d'une manière simple. C'est comme si on contrôle une partie de ton cerveau. Mais avec l'ensorcellement, on contrôle tout ton cerveau. Vous voyez des gens qui posent des actes, tu dis, mais comment il est né arrivé là? Comment un homme de 40 ans est allé sortir avec une fille de 6 ans? Ça, c'est ça être même ensorcelé. C'est-à-dire que l'ensorcellement fait taire ta capacité de réfléchir différemment. Quelqu'un me comprend? Et ça, c'est un type de sorcier ou c'est un type de personnes qui sont nos ennemis spirituels. Alors, il existe plusieurs types de sorciers.
Vous avez des fois des sorciers dans la famille. Eux-mêmes n'évoluent pas. Mais ils travaillent pour que les autres ne puissent pas évoluer. Eux, ils ressemblent aux arbitres. Vous savez, dans un match de football, l'arbitre n'a jamais marqué. Mais il a la capacité d'annuler les buts. Et de vous déclarer une faute. Il y a des sorciers comme ça. Ils n'évoluent pas. Mais ils travaillent à ce que toi aussi tu n'évolues pas. Il y a également des sorciers. Eux, ils sont comme des policiers qui règlent la circulation. Lui-même est sur place. Mais s'il fait ça, tu ne peux pas l'écraser. Frère, si nous croisons un sorcier, nous on les appelle des roulages. Un sorcier roulage, nous allons l'écraser au nom de Jésus. C'est pourquoi quand on prie contre les sorciers, il est de ces sorciers contre lesquels il faut demander la mort. Il en est d'autres pour lesquels il faut demander la miséricorde. Amen, amen. Je répète, il en est d'autres. Il faut seulement demander la miséricorde. Quelqu'un qui est devenu sorcier depuis qu'il est enfant. Il s'est retrouvé contre sa volonté dans une alliance. Il faut réclamer Seigneur et ayez pitié de lui. Qu'il te rencontre. Mais les sorciers qui veulent manger tes enfants. Donc toi tu dors, tes enfants traversent la route. Ces sorciers-là. Pas de miséricorde. Oh, mais donne-moi un amen. Eux, ils tombent dans la catégorie de 2 Thessaloniciens 1, verset 6. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous plongent dans l'affliction. Ça va peut-être paraître sauvage, mais je vais oser le dire. Il est de ces sorciers dans nos familles. Tant qu'ils seront en vie, toi, tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi la Bible dit, je donnerai l'Éthiopie, je donnerai la Syrie en rançon, parce que tu as du prix à mes yeux. Je prie ce soir que l'Éternel atteigne tes ennemis, que les épées qu'ils utilisent contre toi retournent contre eux au nom de Jésus. Frère, la loi de Dieu n'a pas changé. Si dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, voulait dire qu'on lapidait physiquement, aujourd'hui on ne le fait pas. Mais aujourd'hui nous prions contre nos ennemis. Ceux qui veulent nous amener dans la tombe avant. Ceux qui veulent détruire tes enfants. Frère, moi si tu veux détruire mes enfants, tu atteins déjà le seuil d'impardonnabilité. C'est-à-dire, je vais prier et les prières que je ferai seront des prières d'accusation. Je vais t'accuser devant le trône de Dieu. La Bible dit de Dieu qu'il est le juste juge. Je vais prier qu'il exerce sa justice sur toi. Donne-moi un amen. Amen, amen. Il faut que certaines personnes autour de toi, avec leur sorcellerie, sache qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. Qui est d'accord avec moi? Il faut qu'ils le sachent. Qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. Même Dieu a fixé une limite à Satan quand il s'agissait de Job. Parce que Dieu a autorité sur Satan. Et nous avons autorité sur les démons. Nous avons autorité sur les sorciers. Nous leur fixons une limite à ne pas dépasser. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quand certaines choses se produisent dans vos familles, prenez les émotions, mettez de côté. Commencez à dire, Seigneur, la personne qui est derrière ça, aujourd'hui même, je l'attaque. S'il dort tranquillement, alors tu ne me connais pas. Mais si vraiment tu es avec moi, il ne connaîtra plus un sommeil paisible. Donne bien. Je prie ce soir que ceux qui ont décidé sur ta mort, tu vas assister à leurs obsèques.
J'ai dit, tu vas assister à leurs obsèques. Je suis en train de dire, tu vas assister à leurs obsèques. Peut-être même que c'est toi qui vas acheter le cercueil. Mais les petits sorciers qui rencontrent Christ, qui se convertissent, qui deviennent des protocoles et des chants, même des prédicateurs, mais les grands sorciers qui ont mangé et mangé et mangé, que ce qu'ils ont mangé pourrisse dans leur ventre. Si tu n'es pas d'accord, moi je dis amen à ta place. Je disais, si tu n'es pas d'accord, moi je dis amen à ta place. Si tu n'es pas d'accord, moi je dis amen à ta place. Frère, la prière ne doit pas être hypocrite. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. La Bible dit ceci. L'Éternel, le Dieu de paix, lui-même te donnera la paix en tout temps et de toute manière. Qui est d'accord avec ce verset? Pas d'abstention. Qui est d'accord? Vous qui n'avez pas levé les mains, vous êtes contre. Oh, bon, qui est d'accord? Ne vous comportez pas en parlementaire congolais. Qui est d'accord? Qui est contre? Moi, je suis tout à fait d'accord. Peu importe la manière que tes ennemis rencontrent ton Dieu. Que Dieu t'impose la paix. Peu importe ce que ça leur coûtera. Parce que tu as du prix à ses yeux. Telle est ma prière. Vous savez, il est de ces prières que des gens comme le révérend Aïdine Abala faisaient. C'était des prières terribles. Vous comprenez? Des prières terribles. Vous savez, des gens comme Abala étaient très grands. Mais comme il n'y avait pas une documentation, il n'y avait pas une grande organisation, très peu de personnes connaissent ses exploits. Mais un jour, il a dit à une fille de la chorale, toi, je te demande d'arrêter l'impudicité, tu continues. Fais encore, tu vas voir. La soeur est allée mourir dans une chambre d'hôtel. Fais là que tu veux ou pas. Les impudiques dans l'église, c'est fini. Même les gens qui disent, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive toujours. Ce jour-là, il saura comment arrêter. Ah, donne-moi un amen. Quelqu'un m'a compris. Amen. Fait, on a arrêté le prophète Simon Kimbang. Il avait un poisson. Il dit à ce policier-là, c'est tout ce que j'ai pour nourrir ma famille. Le policier lui dit, moi je prends ça. Il a dit au policier, jusqu'à ta mort, tu ne mangeras que le poisson. Les documentaires existent. Même s'il mange la viande de caviar, même s'il mange cheeseburger, dès qu'il fait ça, poisson. J'ai suivi ça moi-même. Ce policier-là a dit, j'ai vécu 40 ans avec cette malédiction. Tout ce que je mange se transforme en poisson. Or, la Bible dit que Jésus-Christ nous a donné l'autorité en tant qu'église, en tant que saint. Nous avons l'autorité d'arrêter certaines choses. Qui m'a donné un amen? Je répète, nous avons l'autorité. Si tu prends mon argent, tu me voles. Ça sera le dernier montant que tu vas toucher. Vous savez, un jour, un monsieur nous a escroqué. Se transforme en poisson. Or, la Bible dit que Jésus-Christ nous a donné l'autorité. En tant qu'église, en tant que saint, nous avons l'autorité d'arrêter certaines choses. Qui m'a donné un amen? Je répète, nous avons l'autorité. Si tu prends mon argent, tu me voles. Ça sera le dernier montant que tu vas toucher. Quelqu'un m'a compris. Vous savez, lorsque Melchisedec a rencontré Abraham,
encountered Abraham. J'aime bien la parole qu'il a eu à dire à Abraham. I love the word he told Abraham. Il dit Abraham. He told Abraham. Béni soit Dieu. Blessed be the Lord. Qui t'a donné that gave you autorité sur tes ennemis. Authority on your enemies. La Bible dit ensuite then, Abraham lui donna la dîme de tout. Il dit béni soit Dieu qui t'a donné autorité sur tes ennemis. Vous savez, la connaissance accroît l'autorité. Quand vous écoutez des enseignements comme ceci, que vous tombiez ou pas, que vous trembliez ou pas, vous avez une autorité. Parce que la connaissance est un pouvoir. Le diable aime l'ignorance. La connaissance est un pouvoir. Quelqu'un m'a compris. Je dis moi pour toi ce soir. Béni soit Dieu qui te donne autorité sur tes ennemis. Est-ce que tu m'as compris? Béni soit Dieu. Frère, tu es dans une famille des sorciers. You're in a family with witch. Il faut commencer à établir des couvre-feux. You must establish. J'ai dit dans ma belle famille, I told my in-laws, pendant 3 mois, aucun sorcier ne va voler. For 3 years, nobody will fly. Tout celui qui va essayer deviendra bègue. The ones that will try, they will become tu vois quelqu'un qui parle normalement, le lendemain, aïe, you know, someone speaking well and then in the morning not speaking well anymore. Frère, c'est possible. It's possible. Si les sorciers peuvent rendre les gens bêtes, if a witch can make mute people, notre autorité est au-dessus de l'autorité de la sorcellerie. La Bible dit Christ a vaincu le diable. Et Jésus lui-même dira dans Jean 17, il dit Seigneur, il dit Seigneur, la gloire que tu m'avais donnée. Une autre version dit l'autorité que tu m'avais donnée. Là où je rentre, je n'en ai pas besoin. Mais là où eux ils sont, ils en ont besoin. Et Jésus dit, c'est pourquoi je la leur laisse. Frère, au ciel on ne va pas chasser les démons. Au ciel il n'y a pas de délivrance. Au ciel il n'y a pas de guérison. Au ciel il n'y a pas d'intelligence. Au ciel, il n'y a pas d'argent. Ce sont des choses que Dieu a données à l'homme durant son temps sur terre. Par conséquent, je décrète que tous ceux qui travaillent à te nuire, à nuire à ton foyer, toutes ces femmes qui embrouillent ton mari, que ton mari sente mauvais en leur présence. J'ai dit que ton mari sente mauvais. Qu'il cesse même d'être garçon seulement en face d'elle. Quand il sera en face de toi, qu'il redevienne garçon. Qu'il redevienne même 4 fois garçon. Vous savez, quand Dieu a guéri Abraham de la stérilité, même quand Sarah est morte, la vigueur a fait qu'Abraham a continué à aligner les enfants. Que Dieu te donne cette force-là. Seulement chez ta femme. Au nom de papa, tu veux aller dehors? You wanna go outside? Tu ne vas pas démarrer. It won't work. Pas démarrer. Je pensais que les femmes me donnaient un amen bien. Tu sais, il y a des prières qu'on fait. There are prayers which you must do. Tu sais qu'il décompte, tu as parlé, il compte. Tu prends son 6 pits. Vous connaissez 6 pits, non? Sous-vêtements. Vous aussi. Tu shindabab avec. Tu rokobab. Tu dis, Seigneur, c'est mon mari. Nous sommes unis devant l'État et devant toi. J'interdis à monsieur d'aller engager de vitesse là où je ne suis pas là. La boîte de vitesse ne va fonctionner que là où je suis. Je refuse toute hybridité. Mon mari n'est pas hybride. Essence. Avec un rapport de 8 vitesses. Ça ne va fonctionner que chez toi. It will only work with là, les you. Hommes n'ont pas dit amen. The men haven't said amen. Les hommes qui ont dit ça, c'est quoi ça encore? Men are saying, what is this again? Ça, c'est la prière de la fidélité forcée. This is prayer of
Faithfulness that is forced. Infidélité forcée. Faithfulness that is forced. Tu vas essayer dehors. You're going to try outside. He sleeps. Quand tu rentres, toi-même, tu traverses la porte, tu sens qu'il est debout. Yourself, you don't want it, but. Et puis toi-même, tu cries, mais que veut donc dire ceci? And you say, what is this now? Et la dame répond sous les draps, and la then manne. The woman would say, the man. Parce que la manne, ça ne doit pas because attendre le matin. Wait the ça morning. Doit être consommé avant. It must be consumed le before matin. The morning. Maman nana, amen ou pas amen? C'est que généralement les gens croient que toi tu es plus. Qu'elle est plus sérieuse que moi. Je suis plus sérieux qu'elle. I'm more serious than her. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça des fois quand mon mari prie. Just pray. La prière résout beaucoup de problèmes. Prayer resolves many issues. Tu pries, tu accompagnes ça des offrandes, des you sacrifices. Pray, you accompany with sacrifice. Tu dis Seigneur, il est allé au boulot. You say, Lord, he went to après work. Le boulot, maison. After work, it will be home. Quiconque va vouloir le détourner en whomever chemin, rabashaka, mon offrande est là. My offering is here. Il n'ira pas. He won't go. Toi, tu as déjà vu, on a pris la femme, on a pris le mari d'une grande have sorcière. Seen, they took the tu as déjà vu ça? Of a big witch. Have you toi, seen tu that? Prends le mari d'une grande sorcière. You're taking a witch. Elle va t'apparaître sur le lit. She will appear on your bed. Oh, nous avons l'autorité. As we have the authority. Qui est au-dessus. That is above. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous savez, dans le monde spirituel, you, tout peut se programmer. In the spiritual realm, everything can be programmed. L'erreur d'Abraham. The error of Abraham. C'était d'avoir dit à sa femme. It was to je sais que tu es belle. I know that you're beautiful. Quiconque te verra, whomever shall see you, voudra te prendre. Would want to be with you. Il a dit, je sais. He said, I know. Ça veut dire qu'il a condamné sa femme. Meaning he condemned his woman. À être courtisé. To be parce men, que Abraham était un homme de foi. Because Abraham was a man of faith. Quand on est un homme, une femme de foi. When we're a man or woman of faith. Il est de ces paroles avec lesquelles on ne blague pas. There are these words which you can't joke around with. Dis, chérie, tu vas. Don't you live in. Je t'attends à retour. I'm waiting for you. Et tu ne vas pas connaître de panne en route, tu viendras ici. Au nom and de you Jésus. Won't mess up, you'll come donne-moi back un amen. Amen. Frère, il y a des choses que la prière résout. There are things which prayer resolves. Comprends seulement le niveau d'autorité dans understand lequel tu navigues. The level of authority which you're navigating. Et il y a des choses qui commenceront à t'arriver de moins there are things à moins. That won't happen. Quand on te trompe, tu pleures. On te trompe, tu the pleures. Cheating, on te trompe, crying, tu pleures. Cheating on you, tu deviens Marie-Ange Malelo. Non. No. Tu vas pleurer jusque quand? Until when you're gonna cry. À un moment, tu dois te lever. At a point, you must rise. Tu tiens ton mariage. You want your marriage. Alors protège ça dans la prière. So protect it in prayer. Protège ça dans les sacrifices. Protect it by sacrifice. Prie. Pray. C'est pourquoi une vraie femme. Reason why a real woman. Prie pour son mari quand il n'est pas là. Prays for his husband when he's un not there. Un vrai foyer chrétien. A good l'homme prie pour sa femme quand elle n'est pas là. The man prays for the woman when she's not there. Seigneur, Lord, qu'elle n'écoute pas de mauvais conseils. May she not listen to bad qu'elle advices. N'écoute pas de mauvaises personnes. May she not listen to bad people. Qu'elle ne tombe amoureuse de personne may à part moi. May she not be in love with someone au else. Au nom de Jésus. Other than myself, in Jesus' name. Retenez-le pour ceux qui écrivent. For those that are writing. Même dans le domaine du mariage. Even in the marriage. L'erreur des chrétiens. The mistakes of Christians. C'est de marcher comme si tout leur était acquis. Is to walk as if everything is given. Non, tout n'est pas acquis. Not all is. C'est généralement nous les hommes on croit que men, l'infidélité est une chasse gardée. Unfaithfulness is. Aujourd'hui le monde given. A évolué. Today the world has been. Une femme qui te concupie tu ne sauras même pas. A woman that wants you maybe you won't even know. C'est pourquoi frères sœurs. Reason why. Apprends à prier pour ton conjoint. Learn how to pray for your spouse. Apprends à prier pour ta conjointe. Learn how to pray for your spouse. Dis à Dieu Seigneur garde. Tell God Lord keep him. Fais des offrandes dans son absence. Make offerings in his absence. Protège-le. Protect him. Protège-la. Protect her. Ton foyer va durer. Your household will last. Qui m'a donné un amen. Amen. Cinquième nature de tes ennemis. Fifth nature of your enemies. Ce sont des ennemis spirituels. These are spiritual enemies. Dont le but on which the goal is est de te dérouter de ta destinée. To outstray you from your destiny. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, do you know that in the spiritual realm, si tu as une grande étoile, if you have a big star, on peut t'envoyer une mauvaise femme. We can send you a bad woman. Qui m'a donné un amen? Amen. Je répète, si tu as une grande étoile, if you have a big star, il suffit de t'envoyer une mauvaise femme. We can just send you a bad woman.
pour que ton étoile ne brille pas. For your star to not shine any longer. Un homme qui passe son temps a man that spends its time à régler des problèmes ne construira jamais. Fixing issues will never build. Si tu as une grande étoile, if you have a big star, le diable peut juste t'envoyer un mauvais mari. The devil can just send you a bad husband. Il va tellement te stresser, he will stress you so much, te frustrer, he will frustrate you, que tu perdras l'objectivité, you even lose your goals, et l'esprit d'initiative. And your initiative. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que certaines alliances, même des mariages, that's how even marriage covenants at times, ne viennent pas de Dieu. They don't come from God. Si le diable veut te détruire, if the devil wants to destroy you, il te donnera une femme, he will give you a woman, qui va aussi te détruire. Will also destroy you. Vous savez, moi, il m'arrive des fois en un mois de faire 4 pays, 5 pays. You know, in a month I can do 4 countries, 5 countries. Mais imaginez que je tombe sur une femme, imagine I fall on a woman, très jalouse, very jealous. Qu'est-ce qui va arriver? What will happen? Elle te voudra à côté d'elle, she will want you beside her, même si tu ne fais rien. Even if you're not doing anything, pourvu que tu sois là. Perhaps, mais c'est pour dire que dans la vie, it's to say that in life, attention aux marchands de destinée. Be careful to the merchant of destinies. Ouais, pour que ma femme serve Dieu aujourd'hui, for my wife to serve today, il fallait qu'elle ait un mari qui l'encourage comme moi. She had to have a husband encouraging. Si elle tombait sur un mari qui lui disait seulement, if she was on a husband, les femmes ne prêchent pas, Paul a dit. Paul said women cannot preach. It's le ministère allait s'endormir. The ministry would sleep. Le potentiel allait s'endormir. The potential would sleep. Alors dans le plan de Dieu, in the plan of God, quand il te crée, when he creates you, il crée aussi la personne qui ira avec toi. He also creates the person that goes with you. Frère, sœur, toi tu as la grâce. You have the grace. Tu vas tomber sur une sorcière. You go on a witch. Le temps que tu dois prendre pour chasser les démons dehors. The time they have to. Tu auras investi 4 fois ce temps-là pour chasser les démons qui sont en aide. You will invest 4 times that time. Et un jour, quand tu vas te réveiller, tu as 64 ans. When you wake up, tu as 70 ans. You're 7 years old. Le temps est passé. Time has passed. Dis avec moi, Seigneur. Say with me, Lord. Ne mets pas sur mon chemin. Do not put on my path. N'accepte pas sur mon chemin. Do not accept on my path. Des personnes qui vont me perdre. People that will lose me. Des personnes qui vont me corrompre. People that will corrupt me. Des personnes qui vont me trafiquer. People that will traffic me. Qui m'a donné un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Donc il y a des gens comme ça qui sont des trafiquants de destinées. Trafficants of destinies. Attention aux trafiquants de destinées. Of traffics of destinies. Aux personnes qui vont tout faire. People that will do everything. Pour que votre destinée n'évolue pas. For your destiny to not move forward. Pour que vous n'atteigniez pas des objectifs. For you to not reach your goals. Vous savez, dans la sorcellerie, ça me vient comme ça. You know, in witchcraft, on peut like même that, te donner une fille. We can give you a girl. Tu tombes fou amoureux. You're madly in love. Elle t'abandonne au moment où tu te donnes le plus. She will leave you at the time where you're giving it et ça all. Te laisse une blessure. And then it hurts you. Et tu perds confiance envers toutes les femmes. And then you lose trust to everyone. Comme si tu avais aimé toutes les femmes. As if you loved every woman. Il est de ces blessures. There are these wounds. Des fois que nous gardons. That we keep. Qui sont en réalité l'image de l'œuvre du diable. The image of the devil's works. Est-ce que vous m'avez compris? Quand quelqu'un sort de ta vie, when someone leaves your life, qu'elle ne sorte pas avec ton cœur, may they not live with your heart. Frère, sœur, quand quelqu'un sort de ta vie, when someone leaves your life, papa, tu, vous êtes connu, vous avez fait une année, tu as 24 you know ans. Him, you've comment il peut te manquer comme si vous étiez nés ensemble? How come can he miss you as if you were born together? Vous aussi. Autant ça tombe, moi je sais pas ce que ma vie deviendra. Avant lui, ta vie était quoi? Before him, you were living well. Et il n'est ni ton père. He's not your father. Ni ton maître. Not even your master. Et en plus, il était un profiteur. And he was just profiting of you. And then you're crying. Je me sens seul. Oh, I feel alone. Va prier. Go pray. Ça va t'aider. It will help you. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, un regret qui dure toute la vie n'est pas normal. A regret that lasts forever is not normal. C'est pas normal. It's not normal. On n'est plus ensemble depuis 4 ans et puis tu m'oublies pas. Not together for 4 years and then you. Et puis on n'a même rien fait. And we didn't even do anything. Wow. Non, c'est pas normal. It's abnormal. Quand quelqu'un quitte ta vie. When someone leaves you. Qu'il n'amène pas ton cœur. May he not bring your heart. Qu'il n'amène pas ton esprit d'initiative. May he not bring your initiative spirit. Qu'il ne parte pas avec ton courage. May he not leave with your courage. Vous savez des fois la chose qui fait mal à l'autre. What hurts the et other? Il t'a largué.
is that he left. Mais le lendemain, tu changes même le niveau de maquillage. But then next morning you tu te maquilles bien. You dress up tu gardes well. Un bon sourire même de facette. Keep a good smile. Et le matin quand tu te maquilles, parle au miroir. And in the morning when you dis-moi, put makeup, dire, speak to the mirror and say I'm beautiful. Tu dois parler. You must speak. Parce que les paroles que tu déclares, because words which you declare, ça crée un monde dans lequel tu vas vivre. It creates a world on which you will ah, live. Donne-moi un amen. Amen. Oh, sans moi, Paris serait pris. Toi, oh, tu es qui? La lettre A. Taken. Who are you? Quelqu'un me comprend. Et il y a des gens qui ont vendu leur destinée. There are people that sold their destinies. À cause de ce genre de choses. Because of these things. Vous savez, la mauvaise gestion des émotions et the de sentiments. Bad management of emotions. Peut vous faire perdre votre destinée. It can make you lose your destiny. Hmm? Dis un peu à ton voisin, quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tell your neighbor when it didn't work. Oh, lui dit, didn't ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. It didn't work, it didn't work. Moi-même, prophète, j'ai échoué quatre fois dans les fiançailles. I failed four times in engagements. Mais là, toi-même, tu pries par hasard. Now yourself, you're just praying like that. Si tu échoues, ça fait quoi? If you fail, what does it do? Quelqu'un me comprend? Amen. Oh, qu'est-ce que les gens vont dire? What will people say? Les gens diront toujours. People will always have something to say. Vous restez ensemble, le et aussi. You stay together, le fiançailles là, c'est devenu comme un mariage déguisé. Ça the te regarde? Engagement. Donc les gens diront toujours. People will always have something to say. Quand quelque chose ne va pas. When something is wrong. Quand vous n'êtes pas marié encore. When you're not married yet. Prenez le courage de vous arrêter. Take the courage to stop. Ne te dis pas je vais le changer dans les mariages. Toi, say, Saint Esprit. Jésus est mort à la croix. Jesus died on the cross. Mais ce n'est pas la terre entière qui sera sauvée. But it's not the whole world that will be saved. Pour preuve, ton grand-père est toujours sorcier malgré que Jésus soit mort à la croix. For proof, ton père est toujours Christiste. Pourtant Jésus est mort à la croix. Ta tante est toujours dans des histoires. Pourtant Jésus est mort à la croix. Perhaps Jesus died on the cross. Toi même pour arrêter avec la masturbation, you c'est un problème. To stop with masturbation, pourtant dans ta bouche est toujours Jésus est Seigneur. But Seigneur, in your heart, Seigneur, in your mouth, Seigneur. You're saying Jesus is Lord. Quelqu'un m'a compris. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Oui, je sais, moi je dis clairement les choses. I know, I say things. Quelqu'un as m'a it compris. Is. Amen. Le sixième ennemi. Sixth enemy. C'est l'ennemi qui cherche à contrôler ta terre d'héritage. It's the enemy that seeks to control your share of inheritance. L'ennemi qui cherche à contrôler la terre de ton héritage. That the enemy that tries to control. Vous savez, il y a des gens dans le monde spirituel. In the spiritual realm. Et des esprits. And in the spirit. Qui travaillent. That work. Juste pour que toi tu n'évolues pas. Just for you to not move further. Quand tu investis. When you invest. Ton argent part. Your money goes. Quand tu veux faire quelque chose qui doit t'assurer tant soit peu un avenir. When you want to do something that will assure your future. Tout ce que tu fais, tes investissements se volatilisent. Everything you do, your investment, they just go. Parce que il existe des personnes dans le monde spirituel. Because it exists people in the spiritual et des démons. And demons. Qu'on appelle des esprits de limitation. That we call spirits of limitation. Leur but c'est lequel? What is their goal? Quoi que tu fasses. No matter what you do. Ton évolution doit être soit ralentie. Your evaluation must be either slow down, soit absente de toute forme de perspective, or absent of any shape of perspective. Or, la Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2. And the Bible says in 3 John 2. Je désire que tu prospères à tous égards. I desire for you to prosper in. Comme prospère l'état de. As prospers the state of your soul. Si ta relation avec Dieu évolue, if your relationship with God moves forward, rien ne doit empêcher à ce que tes business évoluent. Nothing can stop for your businesses to move further. À ce niveau, tu vas prier. In that level, you're going to pray. Contre tes concurrents. Against your concurrents. Dans le monde des affaires. In the world of affairs. Qui travaillent pour te voler tes projets. That are working to steal your projects. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, do you know that in the spiritual realm, une personne peut réussir avec ton intelligence. A person can succeed with your intelligence. Une personne peut voler tes projets. A person can steal your projects. Les projets que tu as dans ta tête. Projects in your head. Tu les as écrits nulle part. You written nowhere. Mais il peut les voler. But he can steal it. Parce qu'il contrôle la terre sur laquelle tu es. Because he's controlling the land which you are. Je déclare ce soir. I declare tonight. Sur tous ceux qui ont des projets d'être entrepreneurs. On everyone that has the project to be entrepreneurs. Peu importe la terre où tu vas investir. In spite of the land. Personne ne va voler tes projets. Nobody will steal your projects. J'ai dit personne ne va voler tes projets. Nobody will steal your projects. Ce que tu entreprendras, tu le réussiras. What you will do will succeed. Je vois des gens qui vont être des chefs d'entreprise. I see people being chefs. Il y a des femmes qui vont ouvrir des écoles. Women will il y a des gens schools qui vont avoir des garderies.
They will have daycare. Alors donne-moi un amen. Amen. Il y en a même qui vont commencer des ONG et des hôpitaux. Those will start. Que l'Éternel te soit favorable. May the Lord be favorable to you. J'ai dit que l'Éternel te soit favorable. May the Lord be favorable to you. C'est que l'Éternel te donnera comme idée. What the Lord will give you as a dream. Personne ne te l'ouvrira. Nobody will steal it. Je dis ce soir. I say tonight. C'est que l'Éternel te donnera comme idée. What the Lord will give you as a dream. Personne ne te le volera. Nobody will steal it from you. J'interdis le vol d'étoiles. J'interdis le trafic d'idées. J'interdis le vol de compétences. J'interdis le vol de l'intelligence. Personne ne va te voler ton travail. Tu ne vas plus perdre ton travail comme avant. On ne va pas te voler tes projets comme avant. Tu es né pour réussir. Et je déclare qu'à compter de maintenant, que tes projets deviennent productifs. Que toi-même tu sois producteur. Que la grâce de Dieu s'attache à toi. Que ta manière de donner à Dieu change. Parce que la quantité de ce que Dieu va te donner change aussi. Que ce que tu donnes à Dieu évolue. Parce que la quantité de ce que Dieu te donnera va être dans une mesure secouée, dans une mesure pressée et dans une mesure qui déborde. Que le Dieu du débordement soit avec toi. Tu es venu peut-être pour étudier, mais tu retourneras dans ton pays chef d'entreprise. Tu es peut-être venu pour étudier, mais tu rentreras dans ton pays marié. Tu es venu peut-être pour étudier, mais tu retourneras dans ton pays comme quelqu'un qui a réussi. Frère, je déclare dans ta vie que tu deviendras l'objet d'attraction. Que personnes qui auront de bonnes idées. Les gens vont investir dans tes idées. Les gens vont investir dans tes idées. Tu réussiras le matin. Tu réussiras à midi. Tu réussiras l'après-midi. Tu réussiras le soir. Même en plein milieu de la nuit, Dieu te donnera des bons contacts. Si tu le crois, dis avec moi, je reçois. Je dis, si tu le crois, dis avec moi, je reçois. Je déclare encore dans ta vie que des personnes qui viennent pour te voler, que des personnes qui viennent pour voler ton cœur, pour voler tes sentiments, pour voler ta destinée, que l'Éternel les éloigne de toi. Et si l'Éternel le connaît, alors qu'il te donne de posséder leur territoire. À compter d'aujourd'hui, je déclare que tu posséderas le territoire de tes ennemis. Tu posséderas le territoire de tes concurrents. Tu posséderas le territoire de tes coéquipiers. Je le déclare sur toi. Je dis, je le déclare sur ta famille. Je le déclare sur ta famille. Ça descend jusque dans la vie de tes enfants. Jusque dans la vie des enfants de tes enfants. Ils vont réussir. Parce que toi, tu es un homme de succès. Parce que toi, tu es une femme de succès. Et cela au nom de Jésus. Tu n'es pas une prostituée. Tes enfants ne seront pas les enfants de la prostituée. Elles seront les enfants de la femme que Dieu a bénie. Ils seront les enfants de la femme que Dieu a guérie. Tu ne transmettras plus par tes trompes la maladie. Tu ne transmettras plus par ton sang la maladie. Mais tu porteras la vie de Dieu. Que le Saint-Esprit marche avec toi. Que tu réussisses dans ce que tu fais. Que tu réussisses dans ce que tu fais. Même là où on ne croyait pas que tu allais réussir, je déclare que même là-bas tu vas réussir. Même là où on croyait que tu allais échouer, parce que les membres de ta famille ont l'habitude d'échouer, mais toi tu réussiras. Là où tu as été rejeté, l'Éternel te donne l'autorité de jeter. Là où tu as été humilié, l'Éternel te bénit comme Jaïrès. Là où tu as été regardé comme un moins que rien, l'Éternel te lève comme Joseph. Là où les gens t'ont minimisé, l'Éternel te donne l'onction de ta vie. Je déclare ce soir que les gens qui se moquent de toi, tu décideras sur leur vie. Il y en a qui deviendront des salariés chez toi. Il y en a qui deviendront des employés chez toi. Je le déclare au nom de Jésus. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Au lieu même où tu as été rejeté, abandonné, là l'Éternel t'élèvera. Au lieu même où ton nom a été rejeté, au lieu même où ton nom a été écrasé, l'Éternel te donnera un nom grand. Tu t'assieras avec les grands. Tu partageras ton butin avec les puissants. Tu seras cité parmi les grands. Je dis, tu seras cité parmi les grands.
J'ai dit tu seras cité parmi les grands. J'ai dit tu seras cité parmi les grands. Lorsqu'il y aura une opportunité sur ta terre, que cette opportunité te localise. Lorsqu'il y aura une opportunité sur ton territoire, que cette opportunité te localise. Lorsqu'il y aura un mariage dans ta famille, le prochain mariage c'est toi. Je dis quand on parlera de mariage dans ta famille, le prochain mariage ça sera chez toi. Je le déclare maintenant, même s'il avait été dit que tu ne peux pas te marier, même s'il avait été dit que tu ne peux pas évoluer, je décide dans ta vie que tu vas évoluer à la force et à la vitesse d'une fusée. Tu vas évoluer. Que l'Éternel te donne de la vitesse. Que tes enfants qui ont des problèmes de langage soient guéris maintenant. Ils vont t'appeler papa. Ils vont t'appeler maman. Ils vont te dire j'ai faim. Ils vont te dire j'ai soif. Je déclare cela maintenant. Au nom de Jésus. Que la vie et l'onction de Dieu s'attachent aux membres de ta famille. Parce que tu as la grâce d'être ici ce soir. J'ai dit parce que tu as la grâce d'être ici ce soir, la gloire de Dieu va te localiser. Elle va localiser les membres de ta famille. Elle va localiser les personnes qui comptent sur toi. Elle va localiser les personnes qui t'ont pris pour l'hiver. Je décide avec le Saint-Esprit que la faveur de Dieu s'attache à toi. Que tous ceux qui parlent mal de toi, que leur bouche se ferme. Que tous ceux qui doivent décider pour toi, qui ont entendu un mauvais témoignage contre toi, que l'Éternel les fasse oublier cela. Je dis que l'Éternel leur fasse oublier cela. Personne ne jugera ton passé, car ton présent est différent. Ton avenir est excellent. Il y a un Dieu qui nous amène quelque part, devant les tribunaux sataniques, devant les accusations diaboliques. Je fais taire les voix de tes ennemis. Je fais taire les voix de tes persécuteurs. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à prier maintenant. Tu pries en battant les mains. J'appelle le frère Caleb, il va nous conduire dans 10 minutes de prière. Prions, prions en battant les mains. Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.